triple de lapin, oui! Salut tout seul une et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais vous montrer tout simplement des petites astuces pour devenir riche grâce au casino. Pour en gros, je vais vous montrer des petites astuces comment bien gérer le casino, comment ne pas faire n'importe au casino et surtout ce qui rapporte le plus. Parce que dans la vidéo précédente, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo où j'explique comment tout simplement c'est devenir millionnaire, où je vous montrais un peu les machines à sous qui rapportaient le plus, etc., etc. Elle se trouve en description. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer d'autres astuces parce que je ne vais pas montrer dans l'autre vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo aussi également secret, je la mettrai dans la description parce que pareil, j'explique des choses, des secrets sur le casino qui vous permettent du coup, enfin qui vous permet pardon, d'avoir pas mal d'argent. Hop, c'est bon, on est bien, on a pris des jetons. Et au passage, on va faire tourner la roue comme d'habitude. La dernière fois que je l'ai fait tourner, j'ai eu de la crotte. À chaque fois que je l'ai fait tourner, les gars, j'ai pas de chance. C'est-à-dire que j'ai pas de chance, voilà, c'est tout. J'arrive pas à avoir un beau cadeau. Attention. La voiture, s'il vous plaît, la voiture. Oh. Allez, c'est bon, quoi. J'en ai marre. À chaque fois, pour l'instant, j'ai rien gagné. La seule, je crois qu'elle a gagné une voiture, mais moi, j'ai rien gagné, quoi. Genre, je gagne que des jetons ou je gagne du RP ou quoi. Donc, alors, concernant l'astuce. Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, secret du casino, il y a une astuce très, très, vraiment importante à faire si vous n'avez pas encore fait les missions. Les missions, bon, simplement, vous savez qu'on a des missions à faire sur GTA 5. Et il y a les récompenses du Diamond Casino. Bon, je vous avais déjà montré, mais bon, je montre pour ceux qui n'ont pas vu. Et ensuite, je vous montrerai les autres astuces. Sachez qu'en faisant ces compétences, donc terminer la mission Chang, etc., etc., vous gagnez 50 000. Mais le plus important, c'est celle-ci, terminer toutes les missions dans l'ordre. Donc si vous terminez les missions dans l'ordre, les gars, sachez que vous gagnez 500 000. Ce qui est magnifique, c'est un demi-million, ce qui est pas mal. Mais si vous faites toutes les missions, toutes les récompenses ici, voilà, vous lisez, hein, c'est tout simplement, vous faites Start, vous allez dans Statistiques et dans Diamond Casino. Si vous faites tout ça, vous pouvez vous faire à peu près 1 million 1, je crois. Il me semble qu'on l'a vu dans la dernière vidéo. Donc du coup ça vous fait 1 million 1, ce qui est plutôt pas mal. Donc faut bien lire ce qu'il y a. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'avant, vous allez tout simplement dans ma vidéo d'avant. Et du coup, vous allez avoir l'astuce plus en détail. Alors donc du coup, pour aujourd'hui je vais vous montrer l'astuce qui est possible en fait avec le Inside Track. Donc Inside Track, vous allez ici. Et tout simplement, en fait, c'est la course, vous savez, la course aux chevaux, au cheval, je sais pas comment on dit ça. On va appeler ça le PMU. C'est le PMU, en gros. Vous allez ici, tout simplement. Hop. On fait jouer. Voilà. Tranquillement, on se pose. Et donc là, vous avez la possibilité de miser. Donc, vous faites miser. Vous avez deux choix. Donc, vous voyez ma petite truc. Vous avez le pari simple. Jouer seul, donc là c'est pour jouer seul, donc c'est à dire que vous jouez pas avec vos amis. Vous avez celui-ci qui est joué à plusieurs, mais dans ce cas là il faut attendre tous les 2 minutes pour jouer avec ses potes. Bon, après vous pouvez miser et voilà, par exemple je vais miser lui par exemple, PTQ il s'appelle, je vais miser 6, allez je vais miser 1000, voilà, je vais miser, voilà, juste pour le fun. Voilà, et à côté vous pouvez miser tout simplement le pari simple. Donc les gars, j'ai 51 000 jetons. Donc ce qu'on fait, on a, comme vous pouvez le voir, le cheval 1 et le cheval 2. Et lui, il a 4 chances sur 1 de gagner. Et lui, il a 1 chance sur 1 de gagner. Magnifique qui trace. Ok. Débourrage à sec. Donc j'ai 51 000 jetons. Je vais miser. Allez, je vais miser 1000 jetons. Voilà, je mise 1000 jetons. Donc du coup, j'ai misé 1000 jetons. Ce qui fait que je vais gagner 5 fois la mise, étant donné qu'il a 4 de cote. Allez. Donc nous, c'est le délire. Ok. Qui est pas mal. Là, le mail est 4e. Ouh, le mien qui prend du retard là. Ouh, le 6, regardez le 6 à droite. Allez, le 2. Allez, le 2. Oui, c'est le mien qui a gagné, les gars. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, votre cheval est arrivé premier. Vous avez gagné 5000 jetons. Donc, on a gagné quand même. Pour 1000, on a gagné 5000, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on va se rejouer du coup une petite manche. Hop, on va voir ce qu'on a. Alors du coup, là, on a le 4, encore 4 sur 1 et on a le 2 sur 1. Donc 2 chances sur 1. Donc là, je vais miser sur celui qui a 2 sur 1. Parce que techniquement, je pense pas qu'on va plus, enfin, on va pas regagner
Encore quelqu'un qui a 4 sur 1. Donc là, on va mettre 5000. Hop. Allez, je mets 5000 sur lui. Donc on peut gagner 3 fois la mise parce qu'il a 2 de cote. Donc en gros, vu qu'il a 2 de cote, plus 1, donc en gros, ça fait qu'il gagne 3 de cote. Ok, là, on peut voir que 2 par mal. Donc déjà, on va dire que si j'aurais misé sur le 2, j'aurais pas gagné. Le 3 qui cavale bien aussi. Ok, le 1 qui rattrape. Le 2 qui est en train de rattraper, attention. Oh, le 2. Le 1 qui cavale. Le 1 qui cavale. Le 1. Allez, le 1. Oui, c'est le mien qui a gagné. Et voilà. Le 1. Et c'est pas mal. On s'est fait 15 000, les gars. 15 000. Donc voilà, en gros, faut vraiment miser sur les petites cotes. Après, vous pouvez avoir de la chance et mettre, je sais pas, par exemple, une cote comme ça. J'ai déjà vu des gens qui m'ont envoyé des screens où, justement, les gars, ils avaient gagné sur des grosses cotes. Mais bon, je vais pas vous mentir, c'est assez rare. Donc là, par exemple, je sais pas, vous savez, il y a 3 et 12 de cotes, c'est chaud. Faut vraiment miser que sur les deux. Moi, je vais prendre ma. Voilà, je vais dire, je vais miser sur lui, par exemple, il a 5 de cotes. Bon, étant donné qu'on a gagné 10 000 avant, je vais décider de miser 10 000. Je vais miser 10 000. On peut gagner jusqu'à 60 000. Allez. Priez pour que le 2 gagne, les gars. Est-ce que je vais gagner ou pas? Parce que généralement, quand je lance une vidéo, j'ai jamais de chance. Alors que hors vidéo, je gagne tout le temps. Et du coup, après, bon, avec les jetons, bah, j'achète les décors, etc. quoi. Les décors, ou j'achète les masques, ou j'achète les choses comme ça. Ok, le 3 qui part bien. Allez, le 2. Allez, le 2. Allez, le 2. Allez, couvre. Allez, 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 couvre. Il y a un qui va rattraper. Il y a un qui va rattraper. Ouais, il y a un qui va rattraper. Allez, le 2. Vas-y, sprint. Allez, le 2 à la fin. Sprint le 2 à la fin. Sprint le 2 à la fin. Oui. Oui. Oh my god. Shit, shit, shit. J'ai gagné 60 000, les gars. Ok, on vient de se faire, les gars, 60 plus 15 plus 5, on vient de se faire, je sais pas compter, 20 000, 80 000, on vient de se faire 80 000 en même pas 2 minutes. Et franchement, ça paye bien les chevaux. Hein. Ok, donc là, on a 3 sur 1, 4 sur 1, 7 sur 1. Je vais mettre sur celui-là, 3 sur 1. Bon là, étant donné qu'on a gagné une grosse somme, je vais encore mettre 10 000. Allez, je mets 10 000, j'espère juste que je vais gagner. On peut gagner jusqu'à 40 000. Ok, donc j'ai 3 chances sur 1 de gagner. Allez. Ok, le 3 qui part mal déjà. En fait, ceux qui partent, généralement, les chevaux qui partent en sprint dès le début, c'est fini pour eux. Donc là, déjà, par exemple, le 3, c'est mort. Le 4, pareil, ça va être mort, je pense. Donc là, le mien, il est... Ouh, il est mal classé, le mien. Ouh, le 3 qui part. Oh, le 3. Oh, le 3. Le 1 qui part bien. Allez, le 1. Allez, le 1. Le 2 qui va gagner, je pense. Le 2 qui va gagner. Allez, oh le 3, le 3 était chaud. Ok. Bon, bon, on a perdu du coup. On va se refaire une dernière. Mais le 3 qui vient de humilier tout le monde. 4 sur 1, ouais, je vais mettre celui. Je vais mettre le 1 encore. Allez, je mets, bon, on a perdu quoi. Bon, ça va, pour l'instant, on n'est pas perdant. C'est quoi les gars? Je mets 10 000, qu'est-ce qu'il y a? Je peux gagner 50 000. Ok, donc j'ai 4 sur 1 les gars. Faut que le 1 il passe, si jamais on perd, bah du coup on aura perdu, mais c'est pas mal, pour l'instant c'est pas mal. Allez. Allez. Ok, le 4 qui part. Le 1 qui suit la cadence. Ah, je crois que le 2 va rattraper, ouais. Le 2 va rattraper à la fin peut-être. Allez, le 1, allez, le 1, allez, ah c'est le 3 qui gagne encore, ah oh, c'est le 3 qui gagne encore. Bien joué. Du coup, 2 fois le 3, bon, le bien est arrivé deuxième. Donc voilà, en gros, tout simplement, faut miser sur les chevaux à petite cote. Donc là, par exemple, le 3, il avait que 6 de cote. Vraiment, là, c'est impossible de gagner. Parce que 12 chances sur 1, 22 sur 1, 30 sur 1, c'est vraiment très très rare. Et franchement, si un jour vous gagnez une cote comme ça, n'hésitez pas à me screen. Parce que je sais qu'il y en a un, je crois qu'il avait gagné 200 000 jetons avec les chevaux. Il a vraiment eu un coup de chance énorme. Voilà, donc comme je vous ai dit, les gars, n'oubliez pas de faire vos missions. Donc vous allez dans statistiques. Vous allez dans récompense, vous allez dans le Diamond Casino et vous avez tout simplement toutes les astuces, enfin tous les petits secrets que Rockstar ne nous dit pas et vous débloquez tout simplement de l'argent. Donc 500 000 si vous faites les missions dans l'ordre, si vous terminez toutes les missions vous gagnez 10 000, 100 000 si vous terminez en tant que chef d'équipe, etc. Donc si vous êtes haut en gros, vous gagnez déjà 100 000 d'office mais il faut terminer toutes les missions. Voilà, ensuite... pour ceux qui ne savaient pas, bah déjà le véhicule a changé. Pour ça, je sais plus la Trax, c'est la 800 RR que je vous avais présentée. Et je voulais vous montrer aussi, vous avez les gros
les grosses tables, mais bon, pour ça, faut être VIP. Alors, vous allez. Alors, attendez, je vais vous montrer tranquillement. Vous avez les grosses, grosses tables. Vous pouvez miser jusqu'à 50 000, qui rapportent bien aussi. Hein. Franchement, ça rapporte bien. Là, c'est les chevaux, on était tout à l'heure. Et vous avez les grosses, grosses cases. Vraiment, n'hésitez pas à aller là-bas parce que vous allez vous faire pas mal de thunes. Voilà, c'est juste derrière là. Voilà, ici, ça, c'est les basiques hein, qu'on retrouve là. Hop, ça, c'est les basiques. Et vous avez les VIP où vous avez vraiment pas de limite. Du coup, on va se faire un petit coup de. Allez, on va se faire un petit coup de. Enfin, pas blackjack. Ah, mais le poker, il est pris. Le poker est pris. Bon, du coup. Ouais, allez, on se fait un blackjack. On se fait un tour de blackjack. Du coup, là, vous pouvez miser 50 000. Mais bon, j'ai peur de perdre les 50 000 que j'ai gagnés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais miser par 10 000, on va dire. J'ai misé par 5 000. Hop. Voilà, 5 000. Bon, là, on peut miser jusqu'à 50 000. Ok, j'ai un 4. Je suis à 14. Ok. Je prends. Ah, j'ai perdu, dommage. Bien joué. Donc là, par exemple, j'ai perdu. Mais en gros, c'est celle qui vous rapportera le plus. Quand je dis qui vous rapportera le plus, c'est là où vous allez pouvoir miser vraiment au maximum. Donc c'est. Vous allez pouvoir miser jusqu'à 50 000. Alors que les celles d'avant, vous pouvez miser pas jusqu'à 50 000. Et du coup, vous gagnez moins. Enfin, vous gagnez moins rapidement. Voilà, en gros, les astuces que je peux vous trouver. Après, je connais aussi d'autres astuces, mais c'est pas des astuces, c'est des glitches. Mais malheureusement, je peux pas vous les présenter parce que. On va dire que c'est pas bien, mais voilà, Rockstar, ils admettent pas trop les gens qui font des glitches, on va dire, qui présentent même des glitches. Donc du coup, c'est chaud.